I think there's a tendency, and this is completely my opinion, just based on my observations, they tend to focus so much on the children, and the husband focuses so much on career that first of all, they don't feel appreciated by one another. But the husband starts feeling like an ATM, and the wife becomes completely focused on the children, and they tend to grow apart. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, clique sur la cloche, mets un petit j'aime, la totale, ok? Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vue sur mesure. Pour ça les gars, il faut de l'oseille, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20K en une semaine, c'est gratuit, c'est offert. Pourquoi tu bégayes? Et deuxième chose, là tu peux bégayer, là, allègrement, tu peux y aller à fond là maintenant. Et là c'est ma formation Pirate Marketing. Pour ceux qui sont déjà des terres, qui veulent passer à l'action, en général c'est que tu me connais déjà. Je te partage toutes les stratégies dans cette formation pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois. Et en plus elle est finançable, ok? Donc pour en savoir plus, donc alors tu dis ouais qu'est-ce qu'il y a dedans etc. Il y a plein de choses dedans, franchement il y a tellement que j'ai même rajouté des bonus complémentaires où il y a un expert en immobilier qui te montre comment investir en immobilier. Alors je sais que vous me demandez souvent, mais il y a le bonus complémentaire qui arrive aussi sur la formation en e-commerce, même si les gars je vous conseille de vous focus sur un seul truc, mais au moins tu sais un petit peu, si jamais tu ne connaissais pas l'e-commerce, au moins tu pourras voir comment faire de l'argent avec l'e-commerce aussi, voir avec les stratégies de pirate marketing, et tu choisiras et tu vas te mettre focus là-dessus. Comment investir dans les startups aussi, il y aura plus tout ce qu'il y a dans Pirate Marketing. En fait, c'est gros, c'est big, ok? Donc, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer dans le lien dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone, ton prénom pour, voilà, si jamais tu es intéressé. Enfin, c'est juste, tu veux juste poser des questions, tu vois. Il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions par rapport à la formation, etc., etc. Et en plus, tu auras accès encore à du coaching grâce à l'incubateur, un partenaire qui est avec moi. Bref, tu auras accès à beaucoup de choses. Donc, prends rendez-vous et tu pourras poser toutes tes questions et on te montrera exactement comment utiliser ton CPF, comment montrer ton dossier. On va t'accompagner de A à Z à faire ça et après, on donnera les accès à Pirate Marketing. Et après, par contre, les gars, c'est pas de la magie. Hein. Après, il va falloir charbonner, il va falloir taffer. Hein, comme j'aime bien dire, si tu cherches la facilité, va sur notre chaîne. Et les gars, il n'y a pas d'excuses, les gars. J'ai grandi à Évry dans 91, j'ai redoublé mon BP, trop technique. J'ai grandi dans le quartier des pyramides et pourtant, voilà, ça fait plus de 3 ans que je voyage. J'étais salarié aussi, j'ai connu le business super tard, j'avais au moins 34 ans. Arrêtez de chialer, les gars, et juste passer à l'action. Et passons directement au sujet de la vidéo. Une avocate dit exactement le genre de femme qu'il faut éviter. Enfin, c'est plus basé en fait sur leur métier. Ok? Donc, du coup, je te laisse regarder la vidéo et puis après, on discute. I debated posting this because I know how bad it's going to be when people get this answer from me. But there were so many people that asked that I decided after a lot of thought and consideration that I will go ahead and respond to the most asked question from my last video, which is what professions in women should men avoid? And a lot of you thought that those same professions for men that I told you to avoid would translate to women, and they really don't. I don't think that there's enough data out there for me to comment on that, but I've had one military female client who was pretty difficult, but other than that, I've not seen any correlation in those same professions. But I went through my case list, and if you have a problem with me giving an introduction to this, then just scroll along because I'm about to hurt a lot of people. So I'm going to explain what I have to say. And you're going to have to listen to it if you want the answer. I went through my case list and there's about 60 cases on my case list. And there are some common professions that I see in women. The most common one that I see is teacher. The second most common is nurse. But those cases are not cases where the female is really difficult or litigious or anything like that. They're just kind of run-of-the-mill cases. The most common profession that I see in the female parties in my divorces, and this is over 13 years of cases. Oh my God, I'm so nervous. Is stay-at-home mom. Hate me. I know y'all are gonna hate me, but let me explain why. Number one, when you're divorcing a stay-at-home mom, they are paralyzed with fear.
and rightfully so, because their whole life is going to change. They are going to have to go back to the workforce. They're going to have to possibly move. Their finances are about to be very different. There's lots of things that they don't know financially about what's going on. And so they tend to stick their head in the sand and stall. And so the cases become very contested and very expensive. The second reason that I see that stay-at-home moms end up being the most common profession in a divorce is that I think there's a tendency, and this is completely my opinion, just based on my observations, they tend to focus so much on the children and the husband focuses so much on career that they don't feel appreciated by one another. But the husband starts feeling like an ATM and the wife becomes completely focused on the children and they tend to grow apart. So I think that's why it's the most common. That's not hate, just an observation. It should probably be my last TikTok. So see ya. Non mais moi le truc, le premier truc qui me choque, c'est la comment elle a peur. C'est un truc de ouf. La meuf, elle a des data, elle a des trucs, elle a d'expérience. Je sais pas combien de temps, je crois, c'est... Mince, j'ai oublié, c'est 14 ans, je crois. Je sais plus combien de temps qu'elle pratique. Énormément de cas qu'elle a géré. Donc la meuf, elle a des data, elle sait comment ça se passe. Elle voit les patterns, les choses qui reviennent à chaque fois. Et elle a peur, gars. Elle a peur de ouf. Ça veut dire que même les meufs entre elles, elles peuvent même pas se dire la vérité. C'est un truc de ouf. Même les meufs entre elles, elles peuvent pas se dire la vérité. Elles tournent autour. Oui, non, je sais, vous allez me défoncer, mais non, mais s'il vous plaît. Non, c'est mon dernier TikTok. Je sais que c'est mon dernier TikTok. Ok. Ok, la haine. Vous pouvez me détester maintenant. C'est un truc de ouf. Mais après, j'avoue que même moi, j'ai découvert ça. Le fait que les gens sur le thème de relations hommes-femmes, gars, ils veulent pas la vérité, ça c'est incroyable, ça c'est le truc que j'ai jamais compris. Mais c'est vraiment un thème où les gens sont super émotionnels, tu vois. Et moi je peux te parler en connaissance de cause, parce que moi j'ai fait plusieurs chaînes. J'ai fait une chaîne sur la musique, donc tout ce qui est passion, ok. C'était plus précisément sur le saxophone. Une chaîne sur la santé, j'ai fait. Et j'ai fait une chaîne sur le business, sur l'argent, ok. Donc tout ce qui est passion, tout ça, musique, tout ça, personne n'a calculé. Enfin, j'ai jamais de commentaires, les gens sont cool, normal, tu vois. Santé, pareil, le truc, enfin, les gens sont pas émotionnels, chelous, ou ils crient à l'arnaque, tu vois. Je veux dire, j'ai toujours fait le même principe, hein, vendre des formations par rapport à ce que je vends des formations, c'est tout. Musique, les gens, ils ont acheté, c'était content, voilà. Santé, j'avais accompagné des meufs à maigrir, elles étaient contentes, voilà. Après, c'est quoi l'autre que j'ai fait? Bah, c'est cette chaîne-là sur l'argent. L'argent, les gens commencent déjà à péter les plombs, déjà. Là, elle commence à crier à l'arnaque. Ah, arnaque, tu vends des formations, c'est de l'arnaque de vendre des formations, hein. Je dis, mais qu'est-ce que... Je suis stupide ou quoi, les gars? Il y a des gars quand même, non. Les gars, ils crient à l'arnaque parce que tu vends des formations. Je lui dis, mais... Ah, c'est pas un business de vendre des formations. Je lui dis, ah bon, c'est pas un business. Le jour, j'ai vu encore... Alors déjà, il y a des plateformes qui sont spécialisées là-dedans. Hein, où il y a énormément de formations que tu peux acheter sur comment savoir, je sais pas, utiliser Camtasia, comment, je sais pas, il y a des plateformes, j'oublie les noms, mais il y a des plateformes où toutes les formations se réunissent et ils vendent, enfin je sais pas. Non. Excuse-moi de pas vouloir rentrer dans une grande plateforme et devoir avoir mon propre business, voilà, au moins au lieu de partager mes profits avec une plateforme. Je sais pas, l'autre jour j'ai vu une pub avec Masterclass avec Karim Benzema, bah les gens ils vont payer. Bah, c'est une formation en ligne, c'est la même chose, hein, masterclass, c'est la même chose. Est-ce que ça veut dire parce que tu as regardé la masterclass de Benzema, tu vas devenir footballeur professionnel comme Benzema? Bah non, ça dépendra de toi, tout simplement. Hein, il ne peut pas tout faire à ta place. En fait, c'est la capacité à te donner de l'information rapidement et pour pouvoir gagner du temps, c'est ça l'objectif. Alors que si tu regardes la formation, je pense, de Karim Benzema ou la masterclass de Karim Benzema et que tu es déjà dans le foot, que tu es déjà déterminé à passer à l'action, et que tu t'entraînes et tu as déjà un objectif, tu es en train de charbonner, si tu prends sa masterclass, mais c'est sûr que ça va te faire gagner du temps. Avoir l'expérience d'un gars qui est au niveau où tu aimerais arriver, par exemple, à mon avis, ça va te faire gagner du temps. Bref, et donc du coup, ça c'était la petite parenthèse pour ceux qui sont encore perdus dans le truc. C'est une formation, c'est de l'arnaque, non? On est déjà web 3.0, les gars. Bref, mais par contre, les trucs relations femmes, ah, c'est pire que les gens dans l'argent. Ah, ils sont émotifs, les gens, sur l'argent, mais alors les relations, ah, c'est... Ah, les gens sont tout le monde énervés. Les gens sont énervés. Donc la meuf, elle a peur. Ça, c'est le premier truc qui m'a marqué. La meuf, elle a peur de dire la vérité. On est dans un monde aujourd'hui, je sais pas si tu te rends compte, t'es un héros quand tu dis la vérité. Et donc, du coup, je me fais un malin plaisir de dire la vérité.
Voilà, ça me fait plaisir parce que déjà j'ai toujours été comme ça. Je me force même pas et je peux pas mentir en fait. Je peux pas me regarder dans une glace, je peux pas. Ok, je te dirai la vérité. Fin. Après, j'assume les conséquences qu'il doit avoir. Mais tu te rends compte que maintenant on doit assumer les conséquences de dire la vérité. La meuf, elle a peur. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc quand même que j'ai capté quand même, je le remets un petit peu pour ceux qui n'ont pas capté. T'as vu qu'à un moment donné, elle dit qu'on n'est pas égaux. Parce qu'apparemment, elle a fait une vidéo, je ne l'ai pas vue, mais elle a fait une vidéo comme quoi les gars qui avaient, par rapport au métier, les gars à éviter, tu vois. Elle a dit, mais c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Les métiers des femmes et les métiers des hommes qui font que, genre, il faut éviter d'épouser pour éviter, genre, un divorce, c'est pas les mêmes. Donc on n'est pas égaux. Je le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de courants féministes. Oui, on est pareil, c'est tout pareil. Apparemment, à chaque fois, on n'est jamais pareil. Hein, dans le feeling, ouais, dans ton cerveau, mais dans la vie, dans la réalité, non, on n'est pas égaux, on n'est pas pareil. Donc, je rappelle quand même les chiffres pour ceux qui ne sont pas au courant, les gars. Sachez que 80% des divorces sont initiés par les femmes. Je préfère te le dire. Je ne donne pas de conseils de dire si tu dois te marier ou tu ne dois pas te marier. Je dis juste des faits. Okay, après, tu fais ce que tu veux. En sachant que lors du divorce, toutes les lois sont faites pour pouvoir, c'est même pas protéger la femme, c'est pour pouvoir te défoncer. Protéger la femme, on est tous ok, j'ai envie de te dire oui, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Hein. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, c'est plus te défoncer, c'est pour que tu perdes tout en fait. Ta maison, tes enfants, ton argent, il y en a qui finissent, des hommes finissent SDF après un divorce. Mais ça, tout le monde s'en bat les reins. Tu as bien compris que le monde dans lequel on vit est seulement dans la perception, est vu seulement dans la perception de la femme. L'homme, on s'en bat les reins, hein, qu'on soit clair. Non, mais je te le dis pour que tu saches, tout le monde s'en bat les reins. Ça me fait toujours rire quand je vois des commentaires des femmes qui disent « Ouais, non, les filles, non, mais restez indépendantes pour pas dépendre de votre homme, et je sais pas quoi. » De quoi tu parles, en fait? En fait, il y a des trucs que vous dites, enfin, certaines femmes disent, et la réalité, c'est 80% des divorces sont enclenchés par les femmes. De quoi tu parles de genre, t'as besoin d'être indépendante? Genre, au cas où, si le gars, il va se barrer, je sais pas quoi. Mais c'est des meufs qui partent. C'est des meufs qui demandent le divorce. Donc, quel est le projet, en fait? Et c'est là que tu vois la mentalité de la femme. La femme, en fait, veut devenir... Enfin, c'est ces femmes-là, pas toutes les femmes. Ces femmes-là, en fait, veulent devenir indépendantes. Genre, faire de l'oseille et tout ça, être indépendante pour pouvoir quoi? Ne pas dépendre de l'homme. Ça veut dire que quand une femme devient et fait de l'oseille et bien financièrement, son objectif, c'est de comme ça, je n'ai pas besoin d'homme. C'est ça l'objectif, hein? Ah, j'ai pas besoin d'homme, c'est bon. C'est bon, j'ai pas besoin d'homme. Alors qu'un homme, que quand il devient riche et qu'il fait de l'oseille, tout ce qu'il veut, c'est partager ses ressources avec sa famille et sa femme, rencontrer une femme pour pouvoir la mettre bien, et sa famille, ses enfants, etc. Deux visions différentes, ok? N'oublie jamais, gars, les femmes ne sont pas empathiques. Elles sont sympathiques, mais elles sont pas empathiques. Une meuf s'en bat les reins de tes problèmes, ok? En tant qu'homme, elles s'en battent les reins, ok? Comme disait, et je te le répète encore, j'aime bien cette petite phrase de Richard Cooper, « Women don't care about your struggle, they just wait at the final line and pick the winner. » Ok, ça veut dire que les meufs s'en battent les reins de tes galères pour pouvoir devenir un homme, pour pouvoir devenir un homme, tout ce que ça demande de devenir un homme. Elles attendent juste à la ligne d'arrivée et elles prennent le winner. Quand les meufs, elles se plaignent des gars, oui, là, je pars complètement hors sujet, on s'en bat les reins. Quand les meufs, elles se plaignent des gars, ouais, les gars, ils veulent pas se poser, ouais, les gars, ceci, ouais, les gars, cela, hein, je te parle des meufs qui est quand même quoi, à un certain niveau, ok? Les meufs, elles parlent de qui? Elles parlent du top 10% des gars. Elles parlent pas des 90% des gars. Elles parlent du top 10% des gars. Parce que d'une manière générale, un gars qui veut envoyer des milliers de DM, un gars normal 5-6 qui envoie des DM à des 8, des 9 et 10, les meufs, elles te répondent même pas. Elles te mettent même pas en vue, elles te répondent même pas. Ok? Donc tout ça, les gars, vous savez déjà ça. Donc les meufs, elles sont battent les reins, frère. Les meufs, elles sont opportunistiques et elles prennent les vainqueurs, les winners. Ça sert à rien de chialer, c'est la vérité. Et elles ont bien raison de le faire. On fera la même chose. Donc du coup, elle a parlé des nurses, professeurs, infirmiers et professeurs. Je savais déjà pour tout ce qui était tout ce qui est infirmière, ça je savais déjà un peu. Là où j'étais étonné, j'avoue, c'était quoi? Elle a dit ouais, parce qu'elle a dit nurse, infirmier et professeur, ça se passe bien. Il n'y a pas trop de soucis, ça pose pas trop de soucis. C'est plus genre au niveau des femmes au foyer. Ça par contre, je savais pas. J'étais vraiment étonné, mais du coup, quand elle a expliqué, ouais, ça a juste du sens en fait. Tu vois, parce que du coup, elle a peur, elle se dit comment je vais faire, je travaille pas, etc. etc. Et donc, du coup, le gars, elle le rince. Je rappelle quand même que dans les divorces, la première source, non, c'est pas dans les divorces, c'est la première source de revenus, d'enrichissement des femmes, c'est par rapport au divorce. Et du coup, ouais, ça a du sens.
Parce que du coup, donc elle te harasse parce qu'elle veut se mettre bien. Et sache que quand tu te maries, il faut qu'après elle garde le même train de vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut qu'elle garde le même train de vie. Ouais, la même CVP avec toi. Ouais, ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Qu'elle travaille ou qu'elle travaille pas. Là, elle a pris du coup son exemple. À partir du moment où toi, par exemple, tu fais, je sais pas moi, 10K et elle a fait 1500 ou 2000, bah, si elle a un train de vie, elle a un certain train de vie, il faut que tu complètes. Oui, c'est comme ça. C'est, ouais. T'es plus avec elle? Ouais, mais alors? On s'en bat les reins. T'es un homme, toi. Donc on s'en bat les reins. Ce que tu penses, ce que tu dis, c'est comme ça. Ah bah oui, mais moi j'aime pas l'injustice en fait. Et là j'ai trouvé un bon filon. Tu vois, j'ai vu, il y avait. Ah ouais, non, j'aime pas l'injustice. Ça, c'est des trucs qui m'énervent. Hein, et ça, c'est pour tout le monde, de homme à homme. Hein. Si je vois un homme plus fort qui essaie de victimiser un plus faible, ça va m'énerver. C'est une valeur forte chez moi. Donc du coup, par rapport aux raisons qu'elle donnait, qu'elle disait que bah, du coup, ce qu'elle a observé, c'est qu'en fait, la femme au foyer, elle se focus plus sur les enfants et l'homme, il se focus plus du coup sur le taf. Et puis du coup, il a l'impression d'être comme un billet de retrait, quoi. Et donc du coup, ils ne se sentent pas valorisés l'un et l'autre. Bon, concrètement, ça pour moi, c'est un problème de communication. Là, c'est pas... Si c'est ça vraiment la raison pure qui fait que du coup la femme elle demande le divorce, parce que c'est 80% des femmes qui demandent le divorce, c'est vraiment stupide ça par contre. Parce que là c'est vraiment un problème de communication. Je peux vous en parler les gars, je vous rappelle quand même que j'ai quand même une expérience de 20 ans de relation. Je sais un petit peu comment gérer quand même les petits trucs. Hein, j'ai envie de te dire, sans vouloir me comparer à personne, je pense que dans tout le game, je connais pas, j'avoue, je regarde pas les vidéos en France, hein, mais je pense que dans tout le game, je pense que c'est très rare que tu rencontres un gars qui peut se targuer de dire qu'il a 20 ans de relation avec une meuf bien, attention, hein, qu'on soit clair, une meuf bien. Pas une meuf genre, elle est en surpoids, tout le monde s'est laissé aller, non, une meuf bien, très bien, il n'y a pas de souci. Ok, parce que c'est pas le même game hein, de pouvoir garder une meuf 20 ans quand elle est en surpoids, etc. Elle n'a pas d'option et une meuf qui est bien et qui est bien foutue, mignonne et qui a toujours des options. Ok, bref, ça c'est la petite parenthèse. Mais tout ça pour te dire que là c'est quand même stupide. Oui, je donne mon opinion. Là. Je pense que c'est un peu bête de divorcer pour ça parce que c'est juste un problème de communication. Vraiment. Problème de communication. Donc voilà les gars, vous avez les métiers des femmes qu'il faut esquiver. Voilà, après faites aussi votre expérience. Voyez en fonction, voyez si jamais il y a les red flags. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça. Et puis travaillez votre leadership aussi et votre communication aussi. Mais bon, après c'est sûr qu'aujourd'hui, de ce qu'a fait le gouvernement le mariage, honnêtement, c'est pas une bonne idée de se marier sous la loi, en tout cas des gouvernements qui sont dans les pays de l'Ouest. Ok. Mais après, moi, se marier religieusement, moi, je suis OK avec ça. D'ailleurs, je suis de base, gars, comme je vous l'ai déjà dit, moi, j'ai grandi à l'église. Hein. Donc, on respecte toujours, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ce qu'ont fait les gouvernements, les gars, je ne suis pas sûr, les gars. Hein, peut-être se marier ailleurs, j'en sais rien, Brésil. Bref, en tout cas, c'était marrant quand même, la meuf, elle a fait quand même comme ça. Genre, quand elle a dit, ouais, c'est son, les femmes au foyer. Genre, on dirait, elle s'est protégée. Comme si, genre, elle a senti, genre, les meufs, elles essaient de lui mettre. Comment ça? C'est comme ça les femmes, vous voyez? Comment ça? Tu peux rien dire en fait. Bref, n'hésite pas à mettre un j'aime si t'as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire tant que tu restes respectueux et que tu es respectueuse. Il n'y aura pas de problème. Si tu manques de respect, on dégage ton commentaire. C'est Al-Qaïda. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est tout ce que je vais te dire. Si tu veux aller plus loin avec moi, je t'ai déjà dit ça ou pas? T'as tout en description. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis à ton camp.